Pour ce grand week-end dédié au train d'épingles, des maquettistes de tout horizon sont venus exposer leurs miniatures à la salle polyvalente de Saint-André-les-Alpes. Des imposants trains de jardin aux affiches et ouvrages divers, en passant par les plus classiques trains électriques, de collectionneurs et amateurs du chemin de fer, et le matériel technique, il y en avait pour tous les goûts, proposé par des cercles de modélisme ou des particuliers. Oh, il y a du boulot là. Et c'est pas compliqué pour le transporter tout ça là. Oui, il faut être bien organisé. C'est démontable ça. Il y a 5 modèles là. 4 et le dernier, le stade de foot là-bas, il y en a un, 5e. Et dans le fourgon de transport, tu fais rack, tu rails, sur roulement à billes. Donc, il y a qu'à glisser. Il y a 4 cases, comme un truc monture. Le 5e en bas. Ah oui, parce que bon, c'est quand même relativement fragile ça. C'est fragile, ça souffre. Et puis là, hier, il faisait très chaud, j'ai eu de la dilatation, les rails qui sont dilatés. Là. Mmh. Ah, ça joue aussi là. Ça m'a mis des pannes, il a fallu que je coupe, enfin c'est un truc abominable. Ouais, c'est pas si simple que ça quoi. Non, faut surveiller. Quoi. C'est plus facile qu'un statique quoi. Ouais. Et puis là, il y a toutes les connexions électroniques. Ouais. Et oui, c'est fragile ça aussi. La chaleur, le transport, la manipulation, c'est un peu. Et là, vous tournez sur certains secteurs pour les démos comme ça là ? Non, je vais un peu où j'ai envie. Déjà. Voilà, où ça vous fait plaisir quoi ? Ça me fait plaisir d'aller. De temps en temps, on me demande, donc ça me fait encore plus plaisir. Si je peux, j'y vais. Ouais. Donc j'ai fait Avignon, Montélimar. Hein. Ici, je fais un peu là-bas, un peu à Saillant aussi. D'accord. Voilà. Et vous êtes un particulier là ou une association particulière ?